Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'amour c'est super simple, y'a pas besoin de régler des problèmes. Faux! Non, mais là on est pas assez énergique. Plus d'énergie. Faux! Il est mort, mais celui-là. C'est tellement cringe. C'est la jingle de Gilles. Non, comme Gilles. La vérité. Y'a pas de problème. Mec, où est-ce que t'as eu ton pull? Il est trop cool. Tu veux dire ce super pull que j'ai acheté maintenant au crochet sur ce site trop cool? Il s'appelle Minora. Je l'ai mis en description rien que pour toi, mec. Aujourd'hui, on a récupéré tous les messages que vous nous avez envoyés sur Instagram en rapport avec vos problèmes de cœur. On va essayer de les résoudre. J'ai vraiment un truc, on est dans une ambiance podcast. Léon charge, on vient de faire une intro extrêmement énergique. Là, on n'a plus aucune énergie. L'intro nous a vidé de nos batteries. À toi l'honneur, l'invité. Commencerait mal. J'ai un ex et ça c'est mal fini entre nous. Je l'ai bloqué de partout. Depuis il force avec plein de... Avant-hier il m'a suivi jusqu'à mon rendez-vous et ça devient invivable. Je suis allée au commissariat. Mais ils me disent que tant qu'il n'y a pas eu de violence physique, ils peuvent rien faire. Aidez-moi. Mais ce mec, faut l'interner. J'allais dire pour aller à la police, mais la police ne fait rien. Et honnêtement, je ne sais pas quoi dire. C'est un fou, c'est-à-dire que tu ne peux que devenir parano dans ces cas. Tu perds le conseil. C'est pas drôle mais... Faut couper ça, sinon tu vas faire strike déjà qu'on cite Norman au début. Affiche-le à sa famille, genre appelle ses parents. Faut le dire, allez rattraper votre fils là, parce que ça va plus. T'es nerveux si on rigole. Et on a pas fait le disclaimer. Et on ne signe aucune responsabilité. Je dis juste que la plupart de mes conseils ne mènent à rien. Donc on sait jamais, ça se trouve le fou, il est pas si fou que ça. Pour moi, on si les policiers veulent une violence physique, tu leur donnes, tu le tabasses. Mais c'est dans l'autre sens. N'importe quel membre de ta famille, il y a un terrifiant. Peu de, un peu plus que ça là. Exactement. Histoire suivante. J'étais avec mon copain depuis plus d'un an, il devait partir. Le problème c'est que... En fait on a aucune solution à n'importe quel des problèmes, il n'y a jamais de problème à ce genre de problème. Faut couper ça parce que sinon les gens ils vont partir. On s'est déjà pas résolu les nôtres. Coupe tout ça. Genre tout est sous contrôle. J'étais avec mon copain depuis plus d'un an et de partir en école de gendarmerie. Le projet était que j'emménage avec lui peu importe où il était placé en France. Pendant 5 mois il me parlait toujours en mode quand je sortirai de l'école faudra qu'on fasse ça, un canapé comme ça pour notre appart, blablabla. La date approche, je décide de lui faire une surprise. Avant qu'il parte 3 mois loin de moi, je loue un Airbnb avec jacuzzi, tout se passe bien, il me dit que je suis la femme de sa vie. Et quelle fut ma surprise quand je reçois 10 heures plus tard par message. Désolé, on doit arrêter là, j'ai plus de sentiments, bonne continuation. Dis merci à tes parents de ma part. Il y a trop de mystères en résolu. Ah bah non, il n'y a pas de mystère là, c'est juste un fils de... C'est même pas pourquoi il a fait ça. Bah c'est juste qu'il va en école de gendarmerie, qu'il veut s'éclater et qu'il veut tromper librement. Ça me rappelle quelqu'un. Bah c'est un connard. En plus t'as payé le jacuzzi, ah ouais, c'est inacceptable. Juste pour tes sous, franchement c'est chiant. J'en suis vraiment outré. Le prochain prend le riche, comme ça c'est lui qui t'offre le jacuzzi. Ça c'est un bon conseil. Exactement. Non, attends, mais on a la réponse dès le début. Le gars il veut être keuf. Qui que tu sois, il te méritait pas. T'es trop belle pour payer le jacuzzi à un mec. Je me suis fait un pote il y a un mois. Et depuis, chaque fois qu'on sort, boit ensemble, entre guillemets. Pourquoi tu lis les ponctuations, on s'en fout. Virgule. Il me paie 4, 7, 2, 8. Non, c'est pas accepté. On est un peu pompette, on se tient la main, on se fait des câlins. L'autre fois, il m'a fait des papouilles dans les cheveux pendant une heure. Non, mais pendant une heure, vous êtes pas juste pote quand même. Le problème, c'est que ce garçon commence à me faire ressentir des trucs. Comment je fais pour savoir si c'est réciproque? Mais. Il t'a fait des papouilles pendant une heure? Comment je le fais tomber amoureux de moi? Il est déjà tombé amoureux de toi, mais... Sachant que la semaine pro, il part 10 jours en vacances avec une meuf. Donc il faut que j'agisse vite, PTDR. Et bombarde sur le montage, faut que ça aille vite. Il y a un truc chelou parce qu'elle est partie en vacances avec... Ils sont juste les deux en vacances. Parce que si c'est avec plein de potes, c'est grave, genre t'es pas en danger. Par contre, si c'est les deux... Parce non que... mais je pense que quand même, lui il te voit pas juste comme pote. Attends, il y a un truc qui est outrant, attends je remonte. On se tient la main, ça c'est outrant. Parce que c'est pas juste it kiss parce qu'il est pompette et tout. Se tenir la main, ça ne provoque absolument rien, c'est juste un symbole. Au pire, pourquoi tu lui demandes pas? Mais j'allais parler de ma technique en plus. Vous êtes bourrés tous les deux. Tu peux dire n'importe quoi. Si c'est pas du tout réciproque, il aurait dit what the fuck. Je fais ha ha ha, je suis bourré et tout. Reprends un verre avec, dis-lui ce que tu penses et après tu tâtes le terrain. Jusqu'à quand la différence d'âge est choquante? Ça dépend s'il y a l'âge magique de 18 entre les deux. Parce que 14-18 c'est trop bizarre. Ah c'est. Mais 24-28, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu plus normal, oui. Tu vois. 18, moi je pense que c'est vraiment 5 ans là. 13 ans, là il y a clairement un problème. Ah non, non, c'est pas acceptable. 5 ans au-dessus de 20 ans. Parce que si c'est en dessous, c'est trop bizarre. Mais quand on dit en dessous, tu penses que c'est quoi la limite alors? 2 ans. Non, c'est 18-15 ans, c'est chelou. Pour moi, en dessous de 18 ans, c'est un an d'écart max. Là, le niveau de vie, c'est vraiment pas la même. Genre, est-ce que là, toi, tu te verrais avec un mec à la fac, qui est de là ses potes de la fac, qui font des
des soirées étudiantes tout le temps et toi tu peux pas. Il a quelle coupe? Est-ce que ses cheveux sont longs? Est-ce qu'il est dans un groupe? À partir de 30 ans, ça part en couille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Même pas. Après 40, tu peux sortir avec une nana de 60. Si on résume tout. Mais je pense que si tu poses la question, c'est peut-être qu'il y a un trop gros écart. Donc. Et l'excuse, mais elle est mature pour son âge. Vous êtes des pédophiles. Mon ex me fait des crises de jalousie dès que je vais vers une nouvelle personne. Bah, il est plus avec toi, donc on s'en fout de son avis. Mais dès que je reviens vers lui, il est proche de moi, mais après 3 jours, il s'en va et ne me parle plus. C'est comme ça depuis des mois entiers. Après être sorti avec moi, il est sorti avec ma meilleure amie. Mais pourquoi tu reviens avec lui, c'est ta connerie? Et il est jaloux alors que c'est ton ex. Et il est jaloux alors qu'il est sorti avec ta meilleure amie. Non, non, lui, ça dégage. Juste arrête de retourner vers lui. Et c'est un trop long truc. C'est pas. Au pire, on lui répondra en privé. Je suis en bail avec un gars depuis 3 semaines. Il est super cool, bienveillant, respectueux, etc. Mais j'ai eu son Insta que très récemment et en fait c'est méga cringe. Donc j'ai montré à mes potes, du coup ils le valident pas du tout. Et par message il utilise H24 des emojis, c'est insupportable. Mais bref, on se voit ce week-end, il y a vraiment moyen qu'il se passe quelque chose. Mais limite j'aurais honte de le dire à mes potes. Et il est cringe parce que tes potes se moquent de lui ou parce que tu le trouves cringe? J'ai une question très précise, est-ce que dans les emojis il utilise le petit emoji diable? Tu le mets au montage. C'est immonde, ça me donne envie de gerber. Moi je trouve que les Insta cringe, si tu l'as vu en vrai qu'il est pas cringe, en vrai c'est pas grave. C'est mais pas par contre, ce qui me dérange c'est que s'il se passe un truc, t'auras honte de le dire à tes potes. Genre, tu vis à travers tes potes. Bah, du coup, continue à le voir. Surtout, il est cool, il est bienveillant, il est respectueux. Ça y est. Si il fait rien de mal à part cringe sur Insta, j'ai envie de te dire. Encore mon ex là, mais lâchez vos ex. Les ex vous avez cassé pour une raison. Mon ex et moi, on s'est séparés il y a quelques mois déjà. C'était une très belle relation. J'ai juste plein de peurs. Comme celle de ne jamais être aimée comme ça ou de tomber que sur des mauvaises personnes. Ah. Eh bien c'est faux, dégage ton ex, c'est pas ça un ex. Non mais tout le monde retrouve. Okay. Oui c'est que le début. Comment savoir qu'on aime un mec? Il m'a dit il y a genre une semaine qu'il m'aimait en amour mais c'est pas réciproque, genre j'ai aucune envie de sortir avec lui, il m'attire pas mais c'est moi qui lance les conversations. Et du coup t'as ta réponse, genre tu l'aimes pas? La question c'est comment discerner de on le trouve frais et sympa à on l'aime? Ouais mais là elle a aucune envie de sortir avec lui. Si tu lances les cons, je suppose que c'est en mode amical vu qu'il ne t'attire pas du c'est tout. C'est ton pote. Ouais. Oui genre tu le friendzone. Ouais mais sois clair avec lui parce que s'il t'aime bah c'est chaud. Du coup ça c'est de la merde. C'est vrai. Hello! Alors en gros, j'ai rencontré un gars sur Snap. Sur Snap, hein. Red flag. On s'entend vraiment super bien. Cependant, il habite dans le sud. Et moi, je déménage à Lille en septembre. Bienvenue à Lille. Et nous nous sommes jamais vus. Faut que j'arrête de tout ça. Que l'un comme l'autre, nous voulons du sérieux. On ne se met pas en couple si nous n'avons pas en tête de nous marier avec la personne. Or. Nous sommes jeunes, entre parenthèses 18 ans. On aimerait beaucoup se voir en septembre. Cependant, mes parents sont stricts. J'ai l'impression que c'est... un remake. Voir une version de Wish. Je suis désolée, mais t'as pas les copyrights pour cette histoire, frère. Comment faire? Abandonne. T'es un mauvais gars, frère. On sait même pas. Peut-être que c'est la version améliorée du remake. Bah, moi, je vais donner des vrais conseils. Vas-y. Déjà, le mec, il habite dans le sud. Toi, tu vas être dans le nord. Il y a beaucoup de trajets. La SNCF, c'est hyper cher. T'es étudiante, t'as 18 ans, est-ce que t'as l'argent de payer 200 euros aller-retour? Comprends que là, tu vois, c'est sa première relation. Elle est en mode bisounours, mariage, nanana. Eh, on est trop pessimiste, mais c'est ils sont vrai. Déjà, te dis pas que tu vas te marier avec parce que t'en sais rien et ça t'évitera d'être déçu. C'est terrible ce qu'on dit. Ah ouais. Et elle est où la chaîne positive là? Ah, y a pas de positive ici. Quand on parle de ça, faut être négatif comme ça, tu pleures pas. Et déjà, c'est quoi son score Snap? Ah, son score Snap, c'est une bonne il est question. Élevé. Là, d'un seul coup, faut en vrai, ça veut rien dire, moi, il est ultra élevé. Et pour autant, moi je te conseillerais que si tu viens à Lille, je suis à Lille. Si tu veux, je te présente des potes à Lille. Et ils sont très gentils. Problème résolu. Problème résolu, je te trouve un mec, t'en fais pas, mariage c'est bon. Bandit. J'ai l'impression de toujours passer connaissance à très bonne amie en très peu de temps avec les filles. Sans jamais pouvoir passer par la case flirt. Et quand je veux flirter, je me fais recaler. Oh, à croire que je suis pas fait pour l'amour. Oh. C'est terrible mais j'ai l'impression que t'es pas beau frère.
Mais t'es méchante. J'avais oublié que les gens vont voir la vidéo. Mais oui. Je veux redire ce que j'ai dit. C'était, j'ai pas très bon pour réfléchir ça. Mais déjà, ça veut dire que les meufs elles parlent avec toi et genre t'es pas techniquement quelqu'un de chiant. C'est juste qu'il faut que ça se développe et que t'es juste pas tombé sur la meuf qui sera attirée par toi. Est-ce que t'es le genre de gars qui tombe amoureux de toutes ses potes meufs? Ah ouais, ça aussi c'est chiant. Il y a quelqu'un qui a mis je veux épouser Valoche. Non, Valoche elle a son cœur déjà pris, désolée. Ah ouais? Bah par moi. Ah, j'allais péter un câble. Je suis in love de ma youtubeuse préférée, mais elle me considère juste comme une amie slash psychologue. Que faire? Ça je sais, c'est qui? Si c'est Squeezie, abandonne. Moi je tiens à dire à Valoche, même si c'est censé être anonyme, c'est pas grave, que tu n'es pas juste une amie psychologue. Tu es la numéro uno de mon cœur. À la même position que ta vie. Parce que t'es ma meilleure amie. Donc finalement, je t'aime très fort, Valentine. À l'aide. Je parle à plusieurs gars en même temps, ambigu. J'ai mon favori, mais je n'ose pas têche les autres, soit parce qu'ils étaient là avant, ou bien parce qu'ils m'occupent. Je fais comment? Et je veux bien que tu sois abonné à moi, mais moi ça j'aime pas ce type de comportement. Elle a son favori, bah alors tu têches les autres et tu restes avec ton favori, mais t'arrêtes d'utiliser des hommes en mode ils m'occupent. Occupe-toi, joue aux jeux vidéo, occupe-toi d'une autre manière, lire, mais... va voir tes potes. Bah du coup d'accord, on non, arrête non, de jouer une blague. Oui, on arrête de jouer. Et je déteste ce genre de comportement. Au pire, après ça se finit avec lui, tu prends un autre, d'accord, mais un à la fois. J'ai rencontré un premier garçon en avril, seulement au bout de 2 mois et demi. Il a commencé à être distant. Pour moi, c'était terminé. Mais paf, en soirée, je rencontre un autre garçon. Il me traite comme une reine. Garde celui-là, c'est mon préféré. Ouais. Bam, premier garçon me réécrit. Oh, mais il fait chier celui-là. Grosse déclaration, ça m'a chamboulé. Que faire? Moi, le, il me traite comme une reine. Ouais, ça y est, garde-le. Moi, je suis pour l'autre. Et il t'a ghosté une fois, il pourra te ghoster deux fois. C'est vrai. On n'a pas de temps à perdre, ça suffit. Voilà, il a eu sa chance, il l'a raté, tant pis. J'ai l'impression que mes amis m'aiment moins que je les aime. Eh, faut changer la vidéo. Mais la partie 2. Il y a la partie 2 du truc des lions. Attends, mais il faut que je mette en 1080p. Parfois, ce n'est pas une impression. Des fois, les impressions sont fondées, des fois, elles ne sont pas fondées. Du coup, peut-être trouve-toi des meilleurs potes. C'est facile à dire, hein. Ouais. Non, je sais pas. On finit tout par. Non, mais je sais pas. Le titre, ça sera on règle pas vos problèmes. Comment ne plus être amoureuse d'une amie qui ne nous aime pas de manière romantique? Non, non, frère. Attends. Vous réfléchissez plus à la chose. Nora, un avis? Dans les deux cas, il y a un perdant. Parce que si elle reste pour penser à sa meilleure amie, comme tu dis, bah, c'est elle qui va souffrir. Moi, personnellement, je préférais prendre soin de moi et passer à autre chose plutôt que toute ma vie vivre avec quelqu'un que j'aime secrètement. Genre, ça doit être horrible comme sentiment, tu peux rien faire. J'ai envie, en fait, que tu ailles dans la vidéo et que tu sors de la vidéo. On va tester la vidéo. Écoute la voix qui vient du haut. Dès qu'il y a un problème, on va faire comme ça. Et ça c'est long. Oh laisse-moi lire. Alors il y a un mec que j'ai rencontré au Nouvel An et on s'entendait vraiment super bien. On s'était pécho ce soir-là. Sauf que j'étais déchirée et j'ai pécho mon meilleur pote à la même soirée. Problème, Lucas et ses potes nous avaient vus et il m'en a voulu. J'avais niqué la soirée puisque tout le monde partait en contre-soirée pour parler de ça. Je sais que j'ai déconné et je m'en suis voulu. Mais il était tellement attaché en si peu de temps. 5 heures lol. On a quand même dormi ensemble. Après ça on a commencé à se parler sur les réseaux. Il m'avait proposé de venir le voir à son match le week-end suivant. Il me calcule absolument pas. Genre même pas bonjour. Mais c'est quoi le problème des mecs avec ça, frère? Quoi, il t'a invité du coup? Ses potes qui étaient là au Nouvel An étaient ébahis de me voir ici parce qu'ils assumaient pas de me parler en mode flirt. C'est pas très grave ce que non. T'as fait. Tu lui dois pas la fidélité en 5 heures. Il est un peu chiant quand même. Il disait encore aujourd'hui qu'il m'en voulait énormément, que je lui avais brisé le cœur, qu'il aille se faire enculer. et que j'avais cassé sa vision de l'amour. Frère! Oh, j'aime bien qu'on soit drama queen, mais là faut pas abuser. 5 heures de connaissance alcoolisée et d'un seul coup tu lui dois la fidélité éternelle et des mois plus tard il est en mode. Après le décompte, t'as pécho ton meilleur pote, hein. Oh. Je retiens. Chier, frère. Cet aveu m'a fait comprendre que je l'appréciais quand même. Donc j'hésite à le DM à nouveau. Non. Vu comment elle est chiée au bout de 5 heures. Au bout de 5 heures, au bout d'une semaine, non, frère, même pas une soirée random, c'était le Nouvel An. Après le décompte, tout le monde se pécho. Non, personne fait ça. En fait, le mec m'a dit je t'aime alors que c'est un Marocain et tout. En mode, les Marocains que j'ai parlé, ils étaient bêtes compliqués à dire leurs sentiments. Attends, non, mais qui a dit je t'aime? C'est le nouveau gars ou c'est l'ancien gars? L'ancien. Son meilleur pote l'a kiffé depuis le début. Lequel choisir, j'ai envie de dire, c'est la question. Sondage dans les commentaires. Dites oui ou non. Oui pour le Marocain, non pour l'autre. On arrive à la même conclusion, je ne sais pas. On nous a donné mal à la tête. J'ai un peu envie de savoir. Putain, maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai une idée. Tu choisis le premier, tu lui dis que t'as flirté avec son meilleur ami et s'il est toujours ok, voilà. Le chien lui revient à lui. C'est bon. On a la solution. Et si tu choisis le deuxième, tu dis qu'en fait tu préférais son meilleur pote avant et s'il est ok avec ça. Le premier Marocain qui t'avoue ses sentiments alors que t'étais sur lui, moi je suis pour lui. Bref.
Alors par contre ça c'est trop grave. Mon copain m'a étranglé lors d'une dispute. On s'est battu à la fin mais aujourd'hui il regrette son comportement. Le commissariat. Johnny Depp il a fait moins pire faire. Est-ce que je devrais le quitter alors que tout va bien depuis ce moment? Quitte-le. Oui. Il le recommencera forcément à un moment. À partir du moment où t'acceptes ça, il peut faire pire derrière. À la moindre anger issues, dis-toi, des années plus tard, les gens ils deviennent que plus aigris qu'ils le sont déjà. Ouais. Il t'a étranglé, il est violent. Casse-toi. Il est violent. Qu'est-ce que c'est bon pour vous? T'en gardes des séquelles, moi je peux te conseiller quand même d'aller voir une psychologue et limite va porter plainte quand même. Enfin, c'est grave. L'échelle de la violence, ça commence avec un petit truc. C'est pas petit déjà le début. Là, l'échelle, c'est plus. Et ça va de pire en pire. C'est la tour Eiffel. On n'accepte pas ça. Vraiment, fuis, cours, pars très loin. J'ai juste envie de faire un big up. J'avais une pote, elle s'est fait têche par un mec parce que apparemment il avait besoin de temps pour le foot. Je parle avec un garçon depuis un an, c'est jamais vu. Il m'a avoué il y a un mois qu'à la base il m'avait DM pour nude. Maintenant ce n'est plus son intention. Malgré tous les messages mignons qu'il m'envoie quand je tente quelque chose, exemple se voir, il a pas l'air réceptif. Le mec il veut juste encore des nudes. Et des nudes dans Big 2023, il y a plus personne qui fait ça, c'est cringe. Ah ouais, qu'il aille sur un site directement mais qu'il fasse pas chier. Il y a des gens qui font ça. Non pas moi. Mais les nudes c'est vraiment un mood de lycéen. Genre. Ouais. Après le lycée tu fais absolument pas. C'est vrai, il veut pas l'avoir mais tu ouais, veux pas frère. Ça y est, tu... Parler par message et... Non, allez, dégage-le. Mon collègue de travail veut coucher avec moi. En soi, si t'es ok de coucher avec lui, que tu te sens bien avec lui, qu'il y a du consentement des deux côtés, moi j'ai pas le problème. Moi, je pense que t'es assez grande pour savoir si t'as envie de ken avec quelqu'un. Est-ce que c'est pas le concept de la vidéo? Oui. En fait, vous êtes juste assez grand pour régler vos problèmes, débrouillez-vous. Ça, c'est pas un truc qu'on peut conseiller. C'est soit elle veut le faire, soit elle veut pas le faire. Et si t'hésites, c'est que peut-être qu'au fond, tu veux pas. Encore une fois, on ne sait pas. Alors, ça fait un an que je sens qu'avec ma meilleure pote, il y a un petit truc ambigu. J'ai l'impression qu'on s'est mis d'accord implicitement pour que ça reste comme ça. C'est-à-dire que je passe ma vie chez elle, ses parents, c'est un peu ma deuxième famille. Le truc, c'est que je pars à l'étranger là, maintenant. Donc, je vais pas lui dire quelque chose. En partant, je trouve ça bâtard. Surtout que je ne compte pas me restreindre dans mon Erasmus pour pécho. Je me suis sentie un peu perdue sur ce que je ressens envers elle. Mais juste, tu devrais en parler directement avec elle. J'ai pas envie de briser son délire, mais être tout le temps chez ta meilleure pote, et ça veut pas rimer spécialement. Oui, avec, c'est juste ta meilleure pote en fait. J'ai l'impression que je donne les pires conseils. Ouais. Faut remettre le trigger warning. Est-ce que t'as déjà été amoureuse dans une relation? Ah non. Je coupe. J'espère que ton boléro il passe à la machine parce que là il va être bien plus long. Oh t'inquiète. Allez, c'est la fin de la vidéo. On veut se casser. Vous a trop pas aidé. Les lions sont plus intéressants que nous. Ah mais c'est super beau un lion par contre. Ça c'est moins beau. En fait pas trop avec le fisheye comme l'intro. Un peu la flemme. Ah ouais, on a plus d'énergie. Je pense que cette vidéo est une preuve que l'énergie ça dure pas toute la journée. On peut refaire l'outro. Vas-y, comble. Fais aïe, fais une outro. Non, quand j'y vais. Y'a pas de problème.